Alors ici, on est au restaurant El Kaina, donc le quartier de la Madraque, oui, à Alger. C'est un bon restaurant, magnifique. Donc, on choisit notre poisson, voilà. Et une fois qu'on a choisi notre poisson, bah, ils nous le préparent. C'est une équipe de jeunes. Voilà, c'est un très beau restaurant, il est magnifique. On vient d'aller les nuits, c'est dimanche, on est KO. Ce matin, j'étais encore à Massy, en train de goûter le terre, ce matin, le melon. Je goûtais le melon, et là, regarde, je me trouve ici à Alger avec notre frère, en train de manger le poisson, parce que demain, on va aller sur les terrains, sur les champs, on va aller voir les melons, les belles l'air. On va voir tout, messieurs, dames, pour vous préparer la belle marchandise qu'on va vous ramener en France. On rigole pas, je vous ai dit, on va arroser l'Europe. On va arroser l'Europe de fruits et légumes, Michel d'Algérie, tout près. Déjà, il y a le poisson tout près. La mer, elle est à côté, la mer. 100 mètres la mer, voilà, machallah. Très bon restaurant. Allez, bonjour à vous tous, messieurs là-bas. On arrive avec la belle marchandise d'Algérie, Inch'Allah. T'as rien, Jazay. One, two, three. On regarde pas, le marché me perd à Massy. Voilà, c'est tous les fruits de mer là, voilà, qui sont dans le restaurant. Et ça, c'est tous les poissons, pardon. T'as du sauvage, t'as de l'élevage. Préparez tout ça. Voilà, c'est magnifique. Ouais, donc on est en Algérie. Ce matin, j'étais en train de goûter le melon, machallah, magnifique. Et là, on va préparer, machallah, demain et toutes les matinées, on va aller sur les champs, les terroirs, voir le raisin, voir les légumes, voir la pastèque, le melon. On va vous préparer de la belle marchandise qu'on va vous ramener chaque semaine, hein, en France et en Europe. Je vous l'avais promis, 15 ans que je suis pas venu en Algérie, 15 ans, mais c'est magnifique. Regardez, on nous accueille comme des rois, on nous amène au restaurant, on s'occupe de nous, ils veulent même pas qu'on sorte un centime. Ils veulent même pas qu'on sorte un centime. J'ai dit non, c'est à moi de payer, je suis avec mon argent.